Bonjour tout le monde. Bienvenue à cette séance publique de l'avis du conseil municipal de la ville de Sherbrooke. Donc, je déclare la séance ouverte. L'adoption de l'ordre du jour, il n'y a pas d'ajout. Le procès verbal du 11 avril, est-ce que ça vous va? Parfait. Merci. On reviendra soit plus tard si Mme Beaudin a quelque chose à dire. Donc, questions et commentaires sur les agendas? Non? Ça vous va? Parfait. Oui, Mme Godbout, allez-y. Bien, en fait, je me questionnais au CE, vous avez vu en dossier d'analyse là, les nouveaux parcs, puis ce dossier-là, il ne chemine pas en ce moment au conseil municipal. Là, fait que... faut se souvenir que quand nous, en comité exécutif, on les voit en dossier d'analyse, il faut qu'ils reviennent la semaine suivante au CE régulier. Puis après, ils vont percoler pour les conseils, le conseil municipal. Je trouve ça, il fait bien. Alors, c'est la raison pour laquelle... Donc, il va venir en mai? Oui. OK, merci. Il me semble qu'il est dans l'agenda de la semaine prochaine du 26, mais en mai, c'est officiel. C'est juste ça, et je donne la précision pour tout le monde. Là. Quand c'est en analyse, il faut que ça revienne au CE pour pouvoir se ramasser ou se retrouver du côté du conseil municipal. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les agendas? J'aurais une autre question. Allez-y. En commission, ça fait quelques reprises qu'on entend qu'il y a un nouveau processus qui a été mis en place qui ne semble pas très clair. Là. En tout cas, les présidentes n'ont pas semblé trouver ça très clair. Est-ce que ça pourra comme être expliqué comme plus clair? Puis est-ce que ça nous convient? Puis c'est quand même un mode de fonctionnement dont on devrait tous contribuer? De là à tous contribuer, je pense que du côté M. Sévigny, allez-y. On en parlait ce matin. L'objectif, on vous a parlé qu'il y a un guide d'accompagnement qui est en cours de rédaction, qui va être finalisé rapidement. On a aussi le travail de mise à jour du règlement 1300 qui concerne le fonctionnement des commissions. Il faut l'actualiser en lien avec les changements qui ont été apportés. Et ensuite, ben, on veut que tout le monde ait une mise à jour au niveau des du fonctionnement. Donc, formation au président, présidente, directeur et le personnel de souci administratif qui donne un coup de main au fonctionnement des commissions. Alors, tout ça, ça s'enclenche actuellement et ça devrait aboutir ce printemps. Non? Mais est-ce que les élus vont être mis à contribution dans la révision du 1300? Bonne question. Mise à contribution, on intègre les commentaires qui ont été formulés. Donc, à la fois pour notre greffier adjoint, il y a un travail aussi de prendre ce qui a été défini au niveau des cheminements et de l'intégrer sous forme réglementaire. Vous allez avoir accès au règlement, puis il y aura une adoption là, qui va devoir se faire aussi. Alors, mes mises à contribution, on verra comment on intègre ou qu'on valide certains aspects, mais je ne pense pas qu'on va le faire à 30 personnes, là, la rédaction, la mise à jour du règlement. Là. On va le faire en petit groupe, ensuite de ça, on va vous le partager. Bien, suggestion, ça aurait été intéressant que vous nous passiez un sondage là, pour voir comment on trouve le fonctionnement des commissions à ce stade-ci. Là. Je pense que c'est un nouveau fonctionnement complètement, puis on vit des expériences. Et ce n'est pas une question à l'agenda. Il faut se rappeler... Non. Les agendas, c'est les activités qu'on présente aujourd'hui, soit en plénier public ou encore au conseil municipal. Non. Oh, peut-être, oui. Peut-être. Je vérifierai, puis je vous mettrai au point dans deux semaines. Madame Robichaud? Petite question. Point 7, point 4, point 12, remplacement du système de réfrigération à l'aréna Yvan-Dugré. Ajustement budgétaire, je voulais juste savoir, j'ai peut-être pas tout compris l'SD, je ne sais pas trop, mais j'ai cru comprendre qu'Hydro-Sherbrooke avait quand même versé un montant intéressant, puis je me demandais pourquoi qu'alors on va en règlement d'emprunt, si les fonds semblent avoir été versés par Hydro-Sherbrooke. Ou c'était peut-être Hydro-Québec, puis j'ai fait une erreur de frappe, là, mais parce qu'il disait que ça coûtait tant, parce que je ne me souviens plus quel, ça devait être Québec, je présume, a versé un montant qui couvrait, mais il est marqué « on va en règlement d'emprunt en dessous » pour 4 ou 6 000 $ par année pour ce temps. En tout cas,
Si vous pouvez me trouver la réponse, parce que je ne comprenais pas. La question, quelqu'un va nous revenir. Pour ce qui est des parcs, ça passe au CE le 31 mai, donc ça va être en juin, parce qu'on est dans la période de l'ouverture des parcs. Et c'est un petit peu, le service est comme un petit peu débordé, donc ça passe au CE le 31 mai. Et ce n'est pas pour les parcs de 2023, là, on s'entend. Là. Au parc cette année? Oui. C'est 2023. Fait qu'on ne fera rien cette année? Non, c'est 2023. OK. C'est trois ans. OK? C'est ça? Tout le monde est à la même place ou pas, là? OK, parfait. On vous reviendra si jamais il y a un changement. Bon, alors allons-y. Donc, Mme Baudin, est-ce que vous avez un message? On s'était organisé ensemble pour dire que vous pouviez être après, il n'y avait pas de problème. Merci beaucoup. C'est juste, j'imagine qu'avec le beau temps en fin de semaine, il y en a beaucoup qui auraient aimé ça en profiter pour laver leurs vitres. Mais on ne peut pas le faire tout de suite parce que le nettoyage du printemps ne commence que demain, mais quand même. Si jamais ça vous intéresse ou si vous recevez des questions, à partir de demain pour environ un mois, on peut voir l'évolution du nettoyage des rues sur les cartes interactives sur le site Internet de la ville de Sherbrooke. Alors, trois messages importants à se rappeler puis qu'on essaie de faire circuler le plus possible auprès des gens. On évite de se stationner dans la rue quand c'est le nettoyage de rue. On ne fait pas d'amas de pierre dans la rue, puis on ne met pas la pierre ou le sable dans les bacs à déchets. Alors, ce sont les trois messages que plus on va être nombreux et nombreuses à faire circuler auprès de la population, plus ça va aider à avoir des belles rues propres et sécuritaires pour les cyclistes. Merci. Merci. Ça devait commencer vendredi passé, lundi passé. Eh bien, voilà, c'est ça. Madame la Présidente. Exactement, oui. Au sujet de ça, quand on parle d'amas, je vois déjà des amas dans la rue. Les conséquences sont quoi? Ça peut être la peine de mentionner s'il y a des conséquences parce qu'il y a des amas dans la rue. Oui, bien, c'est sûrement plus difficile à ramasser que la balayeuse. C'est comme à la maison. S'il y a des amas d'un coin, ça va prendre plus de temps. Là. Et il faut être obligé de passer, de repasser et tout ça. Puis quand c'est boiteux, c'est encore pire. Mais de toute façon, ils font un bon travail et l'observation était bonne qu'au centre-ville. Par contre, ça a été fait. J'imagine que c'est à l'interne qu'on l'a fait au centre-ville. OK. Elle n'est plus là. Il y en a ici autour qui ont été faits. Autour, il y a quelques rues qui ont été faites. Bon, il va y avoir une tempête de neige, certains, cette semaine. On est un peu mêlés. Bon. Pardon? On n'en veut pas, je sais. C'était tellement beau en fin de semaine. Donc, sans plus tarder, on y va avec nos deux sujets à l'ordre du jour aujourd'hui, donc pour une période de 45 minutes, présentation questions incluses, autoriser la réalisation de projets dans le cadre de la mise en place du plan directeur du transport actif. Donc, c'est Mme Dubuc. Allez-y. Merci, Madame la Présidente. Donc, pour le bénéfice de tous, je présume que vous vous souvenez que dans le cadre du processus des budgets d'immobilisation, à l'automne dernier, il y a une somme de 1 770 000 $ pour la mise en œuvre du PDTA qui a été réservée, qui se décline pour les liens piétonniers de 820 000 $ et pour les liens cyclables de 950 000 $ Il avait été aussi demandé à ce moment-là de revenir pour pouvoir autoriser les projets 2023 et c'est ce que nous faisons ce soir. Petit rappel aussi, vous le savez qu'au niveau de la mobilité, nous sommes présentement en transition. Donc, l'été dernier, vous avez autorisé l'ajout d'une ressource au niveau du Bureau de l'environnement et mobilité pour assurer la coordination des actions de mobilité durable. Donc, cette transition-là fait que, bien entendu, l'expertise services d'infrastructures urbaines pour le volet 2023 est porteur du dossier du PDTA, mais on trouvait très opportun de pouvoir faire la présentation ensemble aujourd'hui pour aussi aller dans le sens de la transition actuelle. Puis pour finir, parce qu'il y a deux dossiers à l'agenda ce soir, avant de céder la parole à Mme Gravel, donc les travaux qu'on vous présente dans le cadre du PDTA, bien entendu, font partie de toute la programmation 2023 des travaux qui est le deuxième dossier, donc c'est important de l'avoir en tête quand on va montrer certaines statistiques au niveau de la deuxième présentation, mais encore une fois, ce soir, vous avez une décision à prendre pour autoriser ces travaux-là. Madame Gravel, pour les différents travaux. Merci, Ingrid. Excusez-moi.
Alors, pour les liens piétonniers, on a un projet à vous présenter dans le cadre du PDTA. C'est un investissement de 820 000 $ qui a été prévu au budget d'immobilisation. Pour ce projet-là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a eu une subvention dans le cadre du TAPU de 220 000 $ Donc, les investissements en ville sont de l'ordre de 600 000 $ Le projet qui est proposé ici, c'est un projet d'ajout de trottoir le long du boulevard Université entre Fernand Bachand et Napoléon Audet. Ensuite, vient les liens cyclables. Donc, pour Bertrand Fabie, c'est un projet qui est demandé depuis plusieurs années. Donc, c'est entre les rues Bachand et Mac Sennett. C'est l'ajout de bandes cyclables sur Bertrand Fabie unidirectionnel. Sur le chemin des pèlerins, c'est un lien cyclable aussi entre les rues du Baron et des Auniers. Pour un 25 000 $ c'est des bandes cyclables avec l'élargissement des accotements pour permettre l'implantation de ces bandes cyclables-là. Et finalement, le dernier, c'est toujours le boulevard Université, le même tronçon que pour le trottoir. Donc, on a saisi l'opportunité pour faire les deux projets ensemble. Encore là, on a eu une subvention TAPU pour ce projet-là de 150 000 $ et une participation ville de 400 000 $ pour un total de 550 000 $ Donc, vous avez maintenant à l'écran la recommandation sur laquelle vous devez vous positionner ce soir, qui remet en perspective les différents projets. Donc, je vous épargne la relecture parce que ma collègue Caroline vient de vous en faire la description. Donc, c'est de recommander d'autoriser ces différents projets-là. Vous constaterez qu'il y a une enveloppe résiduelle entre les sommes qui sont proposées de dépenser, les sommes que je vous ai présentées initialement. Il y aura une somme résiduelle de 350 000 $ au budget que vous avez entériné dans le processus 2023. Et on propose de conserver, ça ne fait pas partie de la résolution, mais on propose de conserver ces sommes-là pour valider quelle priorisation, exemple en termes de sécurisation du réseau existant. Un deuxième exercice devra être fait pour vous revenir avec une proposition d'utilisation de ces sommes-là pour pouvoir réaliser des compléments en 2023. Monsieur Denault. Bien, moi, j'ai tout de suite une proposition pour vous. En lien avec ce surplus budgétaire là, on a entendu parler beaucoup l'année passée. Le sujet est adressé ici à plusieurs reprises au conseil municipal en lien avec la problématique avec les trains qui circulent sur le réseau en bordure du réseau de la piste cyclable. Et on pouvait lire que Vélo Québec disait que dans le secteur Quatre-Pins, entre autres, c'est tout près les journées de pointe, je présume là, c'est tout près de 1500 cyclistes qui passent par jour. Et on a des gens qui ont été comme emprisonnés dans un secteur à cause d'un convoi ferroviaire à plusieurs reprises. Et on voit l'augmentation significative du transport ferroviaire. On doit être sûrement capable de mettre en place ou d'analyser un scénario pour dépanner ou informer les gens à la problématique, puis s'assurer qu'il n'arrive pas les mêmes événements qui sont passés l'année passée. C'est que les gens avec leur vélo, passer le vélo à travers les wagons pour passer la piste cyclable parce que celle-ci était bloquée, soit pendant une période quand même assez longue. On parlait de tout près d'une heure. Les personnes qui vont travailler ou les personnes qui doivent se déplacer pour aller à un rendez-vous, c'est sûr qu'on parle aussi de transport, pas juste récréatif, là, vraiment du transport utilitaire. Est-ce que c'est possible d'analyser une solution à court terme pour ces gens-là pour la période estivale 2023, sachant que le problème est là depuis au moins 2022? Bien, en fait, je prends bonne note de votre commentaire, votre préoccupation. Aujourd'hui, c'est difficile pour moi de me positionner. Il y a un exercice de priorisation qui sera aussi effectué en fonction de tous les différents projets qui émergent, tels que vous le mentionnez en termes de préoccupation. Il y a un exercice de priorisation qui se devra d'être fait pour nous assurer d'avoir les bons projets qui sont porteurs pour la communauté cycliste. C'est juste, Madame la Présidente, là. Tu sais, faut pas revenir en disant que ça fait pas partie du plan d'action de la commission ou quoi que ce soit. Là, avant qu'il arrive une tragédie, point que ça, là, c'est un des tronçons, point de vue touristique, les plus utilisés. Là. Moi, je pense que de dire aux gens, ça ne fait pas partie du plan d'action de la commission de l'environnement et de la mobilité, ce n'est pas le genre de réponse qu'on doit avoir là, à la population. Merci. Merci. Madame Godbout. Oui.
Bon, en fait, vous avez présenté là, les pistes aujourd'hui. C'est sûr qu'on a eu une rencontre à l'arrondissement, ben, en fait, Nancy et moi, là, pour Bertrand Fabie. Puis j'avais émis certaines préoccupations de sécurité sur Bertrand Fabie. Je ne sais pas si... comment on peut s'assurer que ça suit, en fait, là, puis que certains ajustements vont être faits? Parce que... En fait, là, il y a la continuité, là, parce qu'il y a un bout de Bertrand Fabie qui est déjà fait, puis là, il y a ce nouveau bout qui se rajoute, mais entre les deux, bon, ça va être à faire probablement quand même relativement court terme pour assurer une continuité. C'est un de nos objectifs. Mais ça demeure que c'est des boulevards où la circulation est quand même assez rapide. Donc, d'envisager d'avoir des bollards, je sais que vous regardez éventuellement de pouvoir le faire. Je ne sais pas, quand est-ce que vous allez pouvoir nous revenir là, sur quel type de rue qu'on pourrait mettre des bollards là, pour les pistes unidirectionnelles? Et l'autre aspect de sécurité que j'avais porté à l'attention de vos services, comme l'achalandage pourrait être bonifié là, sur Bertrand Fabie, dans la section où on est en bidirectionnel, notamment près du cinéma, il y a des enjeux de sécurité parce que les gens ne sont pas habitués quand il y a des pistes bidirectionnelles. Donc, est-ce qu'on va pouvoir mettre en place des mesures là, pour informer les gens quand ils sortent en voiture là, de regarder vraiment comme il faut des deux côtés? Il y a certaines villes là, qui mettent en place là, des mesures comme celle-là. Fait que ça aussi, au niveau de pour améliorer la sécurité, là, c'est un élément qu'on avait mentionné, mais on ne les voit jamais dans les sommaires. On ne sait jamais si vous allez travailler vraiment là-dessus, mais c'est des préoccupations qui sont importantes. Je vais prendre la première portion de la question, Mme Godbout. Mme Godbout, pour le rattachement entre les deux, on va venir vous voir aussi parce que le programme TAPU, on doit déposer des projets, puis justement la suite de Bertrand Fabie est dans le projet qu'on dépose TAPU pour la fin avril de cette année. Donc ça, on va venir vous revoir avec ça. Pour le volet sécurisation, dans les échanges que nous avons eus lors de la présentation du dossier au comité exécutif, les sommes résiduelles, il a été proposé justement de revenir avec un deuxième dossier de manière macro. Quels sont les enjeux, quelles sont les recommandations en termes de sécurisation du réseau actuel qui pourraient être faits avec ces sommes-là? Donc, c'est la prochaine étape. Donc, un deuxième dossier devra remonter pour l'utilisation du résiduel. Je ne peux pas répondre pour le point spécifique que vous parlez là, mais je nous le ramène au niveau municipal. Bien, pour toute forme de sécurisation du réseau, que ce soit bollard, signalisation, tout sera inclus dans un deuxième dossier. Bien, en fait, si on veut être en mesure de réaliser des travaux, on veut que ce soit des travaux 2023, donc on souhaite revenir avant la période estivale pour pouvoir réaliser ces travaux-là. En fait, on a été aussi précautionneux, disons-le comme ça. on a déjà passé une commande de bollards supplémentaires là, pour être capable d'adresser justement les analyses que le Bureau de l'environnement et de la mobilité va faire. Parfait. Merci, Mme Baudin. Moi aussi, je suis pro-bollard. Fait que je suis bien heureuse. Puis je dirais même des bollards solides plutôt que des bollards flexibles. Là. On en voit de plus en plus dans les autres villes. Fait que le plus de bollards possible, je pense que ça aiderait. Je voudrais d'ailleurs qu'on se rappelle, je ne sais pas si les collègues qui sont là depuis plus longtemps se rappellent, mais on avait une jeune fille, je pense qu'elle était venue nous voir, ou bien je ne sais pas si c'est une lettre ouverte qu'elle avait écrite, où elle nous demandait des bollards sur la rue Belvédère pour aller à l'école du Fort. Donc, si j'avais à prioriser, là, c'est sûr qu'il faudrait commencer par les pistes cyclables qui sont sur des rues où il y a le plus gros volume de circulation, en fait, pour l'installation des bollards. Donc, d'après moi, Belvédère va coter pas mal haut. Probablement que Bertrand Fabie va coter haut aussi. Donc, je fais le plaidoyer bollard. J'avais aussi une question. Pourquoi on ne se met pas davantage de projets au TAPU? Je vois qu'il y a quand même beaucoup de... Il nous demande de mettre beaucoup d'argent. Je ne sais pas si c'est pour ça, pour pouvoir aller chercher l'argent, mais je pense au chemin des pèlerins, là, où est-ce que Mme Dauphinet s'inquiétait, puis moi aussi, là, de la sécurité des piétons, avec juste, finalement, un corridor. Donc, on n'aurait pas pu soumettre davantage de projets au TAPU. Vous pouvez noter les questions, je vais les faire toutes d'une shot, puis après ça, vous pourrez répondre. Piétonnisation Wellington Nord avec un sens unique qui s'installe cet été. Est-ce qu'on a réfléchi à la solution vélo? Parce que sinon, les vélos qui arrivent de Fleurimont ne pourront pas tourner à droite vers l'hôtel de ville. Mais en tout cas, ce n'est pas le fun d'être en vélo dans un sens contraire
de sens unique, là, c'est même interdit, je pense. Fait que y a pas d'autre alternative pour l'instant avec grande fourche fermée. Fait que je pose la question pour ça. Je pense que la route 143, vous avez dit que ça s'en vient cet été? Yes, ça c'est bon, c'est réglé. Puis, ben les autres, c'est des souhaits, là, mais regardez, je lance des souhaits dans l'univers. La rue Frontenac, c'est la manière la plus douce de traverser le centre-ville en vélo pour les gens qui n'ont pas la chance d'avoir un vélo électrique, notamment. Donc, si on était capable de réfléchir Frontenac, c'est une des demandes récurrentes qu'on a du milieu cycliste. Et Jacques Cartier, Prospect, il y a des bandes cyclables, mais qu'à un moment donné, ils arrêtent, ils disparaissent. C'est pas continu tout le long de Jacques Cartier et tout le long de Prospect, donc je vous transmets aussi ces demandes-là. Il y en a plein d'autres qui sont super importantes. Je sais que ma collègue de Tarte-Lavoie m'a dit qu'elle allait plaider pour certaines. C'est peut-être plus pour du long terme, là, Prospect Jacques Cartier, Frontenac, mais je le lance maintenant. Mais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez des réponses à mes premières questions que j'ai posées. Merci. En fait, pour le TAPU, le problème, c'est que quand les appels de projets sont faits, on a très peu de temps pour réagir. Donc, on présente les projets qui sont déjà prêts, qui sont déjà sur la planche à dessin. On n'a comme pas le temps de concevoir le projet puis d'y aller avec des projets très développés ou plus imposants que ce qu'on a déjà dans la planche à dessin. Par contre, au TAPU qu'on doit déposer à la fin avril de cette année, sachez que lorsqu'on a parlé avec le ministère, ministère des Transports et de la Mobilité durable, MTMD. Lorsqu'on a parlé avec eux la semaine dernière, ils nous annonçaient qu'il y avait beaucoup d'argent, autant dans le programme Vélos que dans le programme TAPU. Beaucoup d'argent disponible parce que très peu de demandes de projets de la part des villes et municipalités. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc j'ai pas eu le temps d'en parler avec ma collègue Ingrid, mais on devra penser à des projets très prochainement pour le prochain programme qui va ouvrir pour être prêt cette fois-là. Pour votre deuxième question qui concernait la Wellington Nord, le Bureau de l'environnement et de la mobilité est aussi partie prenante des échanges pour s'assurer d'avoir la mobilité active au cœur des aménagements. Donc, ça fait partie des préoccupations que nous avons aussi par rapport aux liens cyclables. Et on me dit que c'est maintenant légal de faire du contresens pour le cycliste. Donc, l'option auquel vous avez fait référence est actuellement en analyse pour l'aménagement sur la Wellington Nord pour assurer que le cycliste puisse aussi l'utiliser en provenance du domaine de Madame la Présidente. Il faudra J'aurai plus d'excuses pour ne pas venir à vélo. Donc, maintenant, vous connaissez maintenant votre moyen de transport pour toute la période estivale, Madame la Présidente. Quand il pleut, puis il faut qu'il fasse en haut de 15 degrés. Il ne faut pas que je retourne à la noirceur. Dernière chose, quand vous nous présentez tout ça, ce serait le fun d'avoir, je ne sais pas comment ça s'appelle, j'imagine qu'il y a un nom technique pour ça, là, mais à place de voir les lignes sur une carte, si on pouvait voir comme, tu sais, quand la rue est comme coupée là, en tranches, là, puis qu'on voit l'espace, puis qu'on voit les aménagements. Parce que là, des fois, on se dit, OK, ah, ben c'est beau, un lien cyclable sur Chemin des Pèlerins, mais sud de l'unidirectionnel, sud du bidirectionnel, y a-tu des bollards, y a-tu pas de bollards, c'est-tu surélevé ou pas? Parce que là, quand c'est des lignes sur une carte, oui, des kilomètres, mais on le sait pas comment. Fait que si on avait, là, tu sais... Une coupe-type. Une coupe-type? Oui, on appelle ça une coupe-type. Si on avait une coupe-type, là, ça serait numéro un. Merci. Merci beaucoup, parce que j'étais pour faire une coupe-type avec vous. Madame Dauphiné. Oui, merci beaucoup. Je pense que la nouvelle de la piste cyclable sur des pèlerins de Baron à Desauniers, donc jusqu'au parc Victoria, va réjouir plusieurs citoyens. Ça fait longtemps que c'était attendu, puis ça joint tout un grand quartier à un générateur de déplacement qui est le cégep de Sherbrooke et aussi un petit peu plus bas, l'école est morte. Là, donc, il y a des jeunes qui vont pouvoir aller à l'école par la piste cyclable maintenant. J'avais une préoccupation, cependant, je me demandais au niveau de l'éclairage, est-ce que ça va être vérifié si l'éclairage va être approprié pour les activités cyclistes? Parce que ça me semble très sombre le soir quand on passe dans ce coin-là en auto. Fait que peut-être juste... Je vais en prendre bonne note, puis je vais m'assurer de faire un suivi avec Hydro-Sherbrooke. C'est ça, puis les bollards, ça va être la même chose, ça va être évalué comme n'importe quelle autre piste.
Puis, bien, peut-être juste pour le bénéfice des citoyens, vous m'avez répondu dans le conseil sans papier, je comprends la raison. Donc, peut-être juste si vous pouviez expliquer pourquoi il n'y aura pas de trottoir puis que ça va être la piste cyclable dans un premier temps. En fait, parce qu'on est dans un milieu rural, donc pour pouvoir faire un trottoir, il faudrait urbaniser le secteur. Pour urbaniser, bien, il faut rajouter un égout pluvial, fermer les fossés et élargir la chaussée, évidemment, donc des frais beaucoup plus substantiels que ce qu'on vous présente aujourd'hui. Parfait. Bien, merci beaucoup. Puis comme je dis, vous allez faire des heureux, un 25 000 $ très bien dépensé. Merci. Merci, Mme Dauphiné. Monsieur Genk. Merci, Mme la Présidente. Bon, première question philosophique. Bollard, ça n'existe pas dans notre dictionnaire au Québec. C'est juste dans le Larousse, dans le Petit Robert, c'est pour les bateaux. Fait que quand je parle de ça aux citoyens, bollard, ils vont fouiller puis ils ne trouvent rien. Petite question comme ça, tu sais. C'est borne de protection ou quoi que ce soit. Je... Ça donne bien parce qu'on a nos collègues des communications juste derrière nous, fait qu'ils ont pris votre question, on vous revient avec un terme. Tu sais, pour que tout le monde s'entende sur le même terme, ça serait le fun. L'ajout de trottoir entre Fernand Bachand et Napoléon Poulain, c'est bien ça. Ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Puis je suis très, très heureux de ça. Puis les gens du secteur aussi vont l'être. Il va être installé du côté est, n'est-ce pas? Quand on regarde la carte. OK, David. On va vous revenir. Et puis, pour de ce qui est du lien cyclable maintenant, même question, est-ce qu'il va être du côté ouest, celui-là, ou il va être bidirectionnel? Pardon? Il est unidirectionnel de chaque côté. Oui. OK, parfait. Puis le trottoir, je ne me trompe pas, il est du côté du parc. C'est ça. Il est du côté du parc. Ça a tout du sens. OK, super. Bon, on sait que, ce secteur-là, évidemment, l'idéal pour moi, puis tout le monde ici, on a des demandes spéciales, là, parce qu'on veut raccorder nos liens cyclables et tout, fait qu'on pourrait peut-être se faire un lac à l'épaule juste pour ça. Je pense qu'on en aurait assez. Si M. le DG veut payer le souper, moi, je vais y aller. Alors, l'idéal, c'est sûr, en ce qui me concerne, ça serait de rejoindre la piste cyclable à partir de Napoléon Poulain et l'amener jusqu'au chemin Saint-Roch de ma collègue Mme Robichaud. Ça serait l'idéal. On le sait que ce chemin-là a été fait à l'époque, c'est un chemin de chalet. Hein? Puis les infrastructures, on a eu plusieurs discussions, Madame Caroline, là-dessus, là, et puis je comprends très bien, mais dans le meilleur des scénarios, ça serait l'idéal pour que les gens puissent emprunter là, et qu'on finalise une fois pour tout ce lien cyclable-là qui serait très intéressant pour les gens de Rock Forest. J'aurais une petite question pour vous, une demande spéciale, pour savoir le nombre de véhicules qui passent sur le boulevard de l'Université à partir du chemin Saint-Roch. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de professeurs, de personnel enseignant, d'étudiants qui empruntent cette voie-là pour aller au Triolet, à l'Université, entre autres. L'information, on l'a sur notre carte interactive. Je vais vous la sortir, puis je vous l'envoie. Parfait, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, bonne nouvelle. Merci pour votre travail. Les choses avancent. C'est plaisant. Merci beaucoup. Ça roule. Bon, on l'a commis, c'est bon. Madame Le Tartre-Lavoie. Oui, je voulais réinciter là, sur ce que Madame Dubuc a dit sur le fait qu'on était en période de transition. On se questionne comment on veut redévelopper notre réseau cyclable. On a notre ressource en mobilité qui est arrivée à la ville. Les équipes, on se questionne, est-ce qu'on veut rajouter plus de pistes cyclables avec des lignes ou on veut en faire moins, mais sécuriser ce qui existe. Donc, c'est pour ça que ça, les projets qui sont présentés aujourd'hui, c'est qui étaient dans la machine, donc on les fait. Mais là, on se re-questionne pour la suite. Donc, je voulais réinciter là-dessus. Je trouve que c'est important là, pour les gens. Il y avait des questions là, dans le CSP. Il y avait deux rues là, qui n'avaient pas été recommandées par le CIA, qui étaient Kitchener et Pacifique. C'est parce qu'on nous a dit au conseil exécutif que c'était pas une ligne blanche là, qui allait être faite, mais plutôt le signe cycliste au sol. Ça veut dire que la chaussée est partagée. Donc, c'était pas vraiment un ajout. Là, si un cycliste veut passer, dans tous les cas, il va passer. Là, que ce soit écrit chaussée partagée ou pas. Donc, vu qu'on voyait ça un petit peu moins
moins structurant, ouais, je cherchais un mot. On disait, ben c'est ça, on le mettrait plutôt pour les montants résiduels où on disait qu'on voudrait plutôt sécuriser nos pistes cyclables parce que si on veut que plus de gens les utilisent, on pense qu'il faut, il faut les sécuriser davantage. Puis sinon, par rapport aux demandes autres, moi aussi, mon plaidoyer, c'est plus pour la rue Conseil, là, a fini sur Bowen sur rien. Fait que si on est capable de relier Conseil à Aberdeen, c'est quand même un axe là, qui traverse le centre-ville où il y a plusieurs personnes qui passent. Et on m'a indiqué qu'il y avait aussi dans la machine la demande pour piste cyclable unidirectionnelle sur le pont Terril. Est-ce que c'est vrai? En fait, je regardais une grille parce qu'on en a discuté plusieurs fois, fait que je ne savais pas qui allait répondre. En fait, effectivement, toute la conception du carrefour giratoire de Terril avec Grande Fourche et avec le pont Saint-François, parce qu'on parle bien de ce pont-là, c'est fait pour des bandes unidirectionnelles cyclables. Maintenant, il faut l'attacher, puis on travaille là-dessus avec l'équipe Engrid en ce moment, là, parce que pour l'instant, ce n'est pas dans les cartons là. Mais c'est ce qui s'en vient. Parfait. Merci. Madame Lefebvre, en conclusion, est-ce qu'il y avait une autre question, Madame Le Tarte-Labo? Je peux, c'est pas la première fois qu'on entend cette demande de lien-là. En fait, ça va faire partie de l'exercice de priorisation. Quelles seront la priorité à donner à tous les projets auxquels on a fait référence? Hein? Puis ma collègue Anne-Sophie s'est assurée aussi de bien noter tous les projets que vous nommez. Il y aura une priorisation à faire en fonction de la connectivité, des enjeux de sécurité. Donc, ce sera une prochaine étape. Mais c'est bien, merci de nous les avoir mis en lumière. Puis peut-être... renforcer ce que Mme Beaudin disait par rapport à la coupe, là, parce que c'est ça, nous, quand on voit le lien cyclable, on pense tout le temps que c'est peut-être la ligne blanche, mais comme pour le cas des rues Kitchener Pacifique, c'était plus le signe au sol, fait, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire, fait que je pense que ça serait bien de nous indiquer c'est quoi le lien cyclable qui est prévu à être fait. Oui, allez-y. Si vous me permettez, j'ai deux réponses pour M. Jean. On est rapide comme ça. Okay. Le DGMA sur le boulevard Université, 7900 véhicules jour. Puis, Bollard, je peux vous lire la définition. Avec deux L. Avec deux L. C'est important qu'il y ait deux L, par exemple. Donc, bornes servant à canaliser la circulation automobile ou à empêcher l'accès des véhicules automobiles aux zones réservées aux piétons et aux cyclistes. Donc, ça existe. C'est de quel dictionnaire ou c'est de quel... Madame Lachapelle, c'est vous qui l'avez trouvé, voulez-vous répondre? Ouais. Et là, dans le USITO de l'université. Je ne mêle pas tout le monde. Linguistique, francophone, hautement utilisé et d'une grande crédibilité, qu'on appelle Antidote et qui recense plusieurs dictionnaires. Merci beaucoup. Merci. Alors, en conclusion, dans ce dossier, Mme Lefebvre. Oui, bien, ce sont des très beaux projets et je vais me permettre d'être une fois de plus fatigante et de parler au nom des secteurs périphériques où on aime aussi, nous, faire du vélo et où nos bords de rue sont, tu sais, ne fût-ce que s'ils étaient bien nettoyés, ça permettrait déjà de sécuriser que les vélos aillent moins dans la rue, restent plus au bord. Donc, je vous rappelle encore une fois d'avoir une attention particulière aussi pour nos secteurs ruraux. Merci. Merci. Merci pour ce dossier du transport actif. Donc, Madame la Présidente, je peux-tu juste mentionner quelque chose? Moi, je ne savais pas qu'il fallait arriver avec nos demandes ce soir. Fait que j'espère que ceux-là ne seront pas prioritaires sur les nôtres. OK, merci. Non, parce qu'on va repasser. C'est un exercice complet qui te devra d'être fait. Voilà. Merci. Mais je tiens à vous rassurer, beaucoup de ce qu'on a entendu était déjà dans la liste répertoriée de plus ou moins, en date d'aujourd'hui, 65 différents projets. Non. Et quand ça va arriver à direction générale, ça va être non. Parfait. Donc, on serait maintenant pour les grands travaux 2023, Madame Gravel. Donc, M. Bombardier nous accompagne. M. Bombardier, Mme Audrey Bellegarde. Oui. Et Mme, il y a toujours encore notre... Puis, j'ai mon backup en arrière au COUSC. Oui, M. Carlo Casaro. Carlo est avec nous. Je vais lui passer... Retour au travail. Je vais lui passer la pôle un petit moment. Parfait. Alors, on vous écoute. Donc, ça nous mène jusqu'à 18h15, questions incluses.
Alors, bonjour à tous. Comme à chaque année, on vient vous présenter notre démarrage de saison, quoique c'est quand même pas mal démarré sur le terrain, vous l'avez remarqué. On a exceptionnellement cette année des chantiers qui ont duré tout l'hiver et qui ont commencé très tôt cet hiver. Donc, mon annonce de démarrage de chantier est peut-être moins spectaculaire qu'elle est d'habitude. Évidemment, avec le printemps quand même relativement clément qu'on a eu, on a pu commencer des chantiers de façon plus avancée là, que ce qu'on fait d'habitude. Malgré tout, je viens vous voir pour vous présenter notre planification et notre programmation, mais je suis aussi accompagnée autant du service entretien voirie pour vous parler un petit peu du nettoyage des rues et du colmatage de nid de poule. Et je suis accompagnée de David Bombardier, comme vous vous souvenez, qui est mon artisan du bonheur des citoyens, donc qui va vous parler des communications, puis tout ce qu'il a fait, toutes les démarches qu'on a faites depuis un an pour améliorer les communications avec les citoyens, et avec Audrey aussi pour Déjouer les chantiers, notre campagne là, de communication pour justement permettre à nos citoyens d'être bien informés. Alors, cette année, on vous présente une programmation de 60 projets pour un total de 41,2 millions de travaux. On a essentiellement, là, je vous ai mis une petite tarte, si vous voulez, là, un anneau là, divisé en deux. On a quasiment 50% des travaux qui est séparé autant à l'entreprise privée qu'à nos équipes en régie. Donc, je me dois de vous préciser que dans cette programmation-là de 60 travaux, il y a des exclusions parce qu'évidemment, on n'en fait pas que 60 sur le territoire. J'ai entendu dans les médias plusieurs fois dire qu'on a l'air de Montréal avec nos cônes oranges. Et oui, on va avoir beaucoup de chantiers sur le territoire, puis c'est des chantiers qui vont être très remarqués, mais on a aussi d'autres chantiers qui s'étendent un peu partout sur le territoire. Donc, en premier, on a ceux de 2022 que je vous ai présentés à l'automne dernier, qui ne sont pas complétés. Donc, je vous en ai nommé quelques-uns, mais évidemment, la liste est beaucoup plus longue que ça. On a le mur du Cégep de Sherbrooke, le chemin Gendron pour le pavage, l'axe McManamy pour le lien cyclable, la rue Albéric-Dussault, secteur des Quatre-Pins, que M. Deneau, vous avez posé des questions là-dessus, je vous ai répondu. Et il y en a d'autres là, qu'on devra compléter, qui s'ajoutent à la liste des 60 chantiers que je vous ai présentés. On a aussi des projets qui sont ponctuels, c'est-à-dire des chantiers qui dérangent moins les citoyens et la circulation routière, mais qui sont dans des endroits ponctuels. Donc, on parle de postes de pompage, de réservoirs d'eau potable, de postes de surpression, de tous ces éléments-là où c'est des entraves beaucoup plus ponctuelles sur le territoire et qui sont moins intéressantes, je vous dirais, là, pour monsieur, madame, tout le monde. Et on a des projets qui sont pilotés par mon équipe de projets majeurs, mais l'année prochaine, je vous promets que je vais mettre les deux ensemble, mais cette année, on les a séparés. Donc, ce que je vous présente, c'est les projets routiers qu'on va réaliser sur le territoire, mais qui sont exclus de mon équipe de projets majeurs. Donc, je vous les nomme. L'équipe des projets majeurs, cette année, va s'occuper de la rue Galtès. Vous savez, le projet d'envergure qu'on fait entre Bowen et la rue Lavigerie. Il s'occupe, comme vous le savez, là, du méga-projet de la rue des Grandes Fourches Nord, avec le pont, évidemment. La rue Wellington Sud et la place publique, qu'on a commencé cette semaine. Et le stationnement Webster, la déconstruction là, que vous nous avez demandé de procéder dès cette année. Évidemment, cette équipe de projet majeur-là s'occupe aussi du projet de l'échangeur d'Arche, parce que vous le savez que de part et d'autre de l'échangeur, on attache ça du côté ville. Donc, c'est cette équipe-là aussi là, qui pilote ce dossier-là. Alors, au total, dans le 41,2 millions de travaux, on a un total de 5,3 kilomètres d'infrastructures souterraines. Ça inclut l'égout, l'aqueduc et le réseau pluvial. On a la réfection de chaussées pour 17,9 kilomètres sur le territoire, la réfection et l'ajout de trottoirs pour 3,6 kilomètres et l'ajout de liens cyclables pour 15,1 kilomètres. Évidemment, vous l'avez compris que le dossier d'avant, on vous a présenté certains liens cyclables et certains liens piétonniers, mais ce n'est pas tout ce que nous faisons sur le territoire de la ville, évidemment. Alors, vous avez ici la totalité de ce qui est réalisé en dehors des projets majeurs. Je vous ai mis, là, mais vous l'avez plus en gros, là, la liste des 60 projets qui vont être exécutés.
Les répercussions, c'est important de les nommer. On en a beaucoup dans des secteurs clés. Vous le savez, au centre-ville, ça fait quand même plusieurs mois que j'en parle, voire des années. Mais cette année, ça va être encore plus difficile que les autres années. Au centre-ville, bien évidemment, il y a la fermeture du pont Saint-François là, qui devrait durer jusqu'à la mi ou à la fin septembre. Et les travaux de raccord de la rue des Grandes Fourches Nord avec au-dessus de la voie ferrée. Il y a la reconstruction de la rue Wellington Sud qu'on a commencé cette semaine, et de la place publique. On a aussi l'implantation du sens unique là, sur Wellington Nord qui va venir modifier la circulation pour nos citoyens. On a la démolition du stationnement Webster qui va venir aussi impacter la circulation sur la rue Meadow et pour le transport de camions aussi là, qui devra circuler pour sortir les morceaux de béton et d'amiante là, qui sont à cet endroit-là. Et on a le nouveau lien aussi là, qui va se construire dans le prolongement, en fait, à l'extrémité du ciboire là, qui est près de le ciboire de la gare, entre la rue Dépôt et la rue des Grandes Fourches. On construit ça aussi cette année. Là, vous avez remarqué probablement en ce moment que la compagnie de chemin de fer est en train de faire sa portion de travaux et ensuite suivra nos travaux ville pour faire le lien routier. Évidemment, ce que je vous nomme là, c'est pas tout ce qu'il va y avoir au centre-ville. Il va y en avoir d'autres, mais c'est les gros qui sont très remarqués et dont je vous ai déjà parlé en ce moment, qui vont venir jouer énormément sur la patience de nos citoyens et sur la difficulté de circuler là, au centre-ville cet été. Dans le secteur Est, on a deux travaux majeurs qui vont réaliser sur la rue Galtès. On en a un en avant du Canac, où c'est le remplacement d'un ponceau de très grande envergure. C'est des travaux qui vont durer quand même un bon bout de temps et la rue Galtest avec des tours là, va être fermée à cette hauteur-là pendant plusieurs semaines, voire des mois. Et on a évidemment la reconstruction de la rue Galtest que je vous parlais tantôt, là, entre Bowen et la Vigerie, là, qui va venir impacter de façon très importante la circulation. Je vous arrête. Oui. À ce niveau-là, je l'ai appris cette semaine, vous me l'avez appris. Est-ce que les travaux devant le Canac vont se faire en même temps que la Galtest? Non, c'est là que je m'en allais. Vous avez laissé continuer. C'est exactement là que je m'en allais. Évidemment, la rue Galtest, entre Bowen et la Vigerie, nous sommes actuellement en conception et on prévoit commencer tard l'automne ou peut-être au printemps prochain, donc ça ne sera pas en même temps. Et le projet du ponceau devrait être complété lorsqu'on va commencer l'autre projet. C'est planifié en conséquence. Du côté de... On ne va plus circuler pareil, là. Non. On s'entend, là, mais c'est ça. Le détour va juste être différent. Du côté de l'Ouest, donc du secteur de Rock Forest et de Sherbrooke-Ouest, il va y avoir, il y a déjà des chantiers qui sont commencés, là, importants. Vous l'avez remarqué, là, le ministère des Transports a commencé ses travaux sur le viaduc de Portland, donc ça vient impacter la circulation puisqu'il y a seulement une voie dans chaque sens là, qui est disponible. C'est des travaux qui vont durer quand même plusieurs semaines, voire un mois et demi, deux mois. Reconstruction des infrastructures souterraines à l'intersection de Industriel et Léger. Donc, on a aussi là la réfection et le remplacement d'un ponceau de très grande envergure avec de l'égout pluvial. C'est ponctuel quand même, mais c'est quand même un secteur où l'achalandage est important. Et finalement, bien, à l'échangeur d'arches, ce n'est pas le gros des travaux qui commencent cette année, mais il va y avoir des entraves ponctuelles de la part du ministère des Transports pour venir faire des raccords. Donc, ça va venir toucher à la circulation sur la rue King West à cette hauteur-là. Évidemment, je vous nomme certains enjeux. Ils ne sont pas tous là, mais il va y en avoir d'autres. Mais ils sont importants. Les enjeux dans la réalisation de tous les chantiers que je vous présente en ce moment, vous les connaissez, ce sont pas mal les mêmes que l'année passée, mais je me dois de vous les renommer. On en vit déjà certains impacts, mais on a la pénurie de matériaux qui peut survenir, des coûts supplémentaires, livraison de matériaux qui peut être difficile, capacité de la main-d'œuvre, mais je vous dirais pénurie de main-d'œuvre aussi, ça peut impacter la livraison des matériaux ou la fabrication des matériaux, et des contraintes de chantier là, qui peuvent
peuvent survenir. Vous le savez, là, quand on parle de matériaux contaminés ou de roc ou plus que ce qu'on avait prévu lorsqu'on a fait nos forages, bien, ça peut venir impacter la durée d'un chantier. Évidemment, je vous ai mis en dernier lieu les autorisations, qui sont surtout les autorisations du ministère de l'Environnement, le certificat d'autorisation qu'on a. Par contre, cette année, ça s'annonce quand même mieux que l'année passée. On pense qu'on devrait obtenir ça beaucoup plus rapidement. Souvenez-vous, l'année passée, on avait la grève des fonctionnaires qui était en force. Avant de passer à communication, je me permettrai de passer, si ça vous intéresse, passer la parole à mon collègue Carlo pour vous parler du nettoyage. Madame Baudin, vous avez parlé de la carte interactive tantôt, peut-être dire comment ça va commencer puis par où, et vous dire un peu comment ça fonctionne pour les poules, parce que vous allez les voir très, très présents sur le territoire dans les prochaines semaines. Bonjour. Monsieur Cazaro. Pardon? Oui, OK. En ce qui concerne le balayage de rue, pour commencer, l'opération va débuter demain. Donc, elle va se poursuivre. En fait, nous avons déjà débuté des travaux préparatoires, mais les travaux avec l'entrepreneur vont débuter demain et vont se poursuivre sur environ 6 semaines. À l'heure actuelle, on est à un taux d'avancement de 15 % de rue par rapport à ce que l'on fait en régie sur le total, et il y a environ 37 % des trottoirs qui sont déjà nettoyés à l'heure actuelle. S'il y a des requêtes à faire au niveau de l'insatisfaction ou des problématiques, bien, on recommande aux gens justement d'y aller par le centre de contrôle, le 821-5858, ou directement en ligne via les requêtes web sur le site. Pour ce qui est des nids de poules, depuis le 20 mars, en date du 13 avril, c'est 4100 nids de poules que l'on a colmatés. Donc, c'est quand même une bonne année. Là-dessus, ben, compte tenu des travaux que l'on va faire cet été, évidemment, nous, au niveau du budget d'opération, le pavage que l'on fait, c'est surtout du pavage palliatif. Donc, nos critères d'intervention sont exactement sur les endroits où il y a beaucoup de nids de poules, il y a des enjeux de sécurité, surtout dans les artères, les collectrices, les axes où il y a des pistes cyclables ou des corridors scolaires. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille en priorité, autre que les travaux de pavage de plus grande envergure que l'on fait pour dans le cadre de l'enveloppe budgétaire provenant du SIU. J'imagine, M. Deneau, c'est une question avec M. Cazaro. Allez-y. Merci, M. Cazaro. Après 4 jours de beau temps, les gens sont gonflés à bloc d'avoir leur rue nettoyée. Puis à chaque année, c'est la même question. Après une semaine après les dernières neiges, les gens voudraient avoir leur rue nettoyée de façon adéquate. Dans une culture municipale qu'on avait auparavant, c'était qu'on avait divisé la ville en 3 secteurs, puis on allait en alternance pour justement essayer de favoriser une année un secteur, puis après ça, un autre secteur pour la rue soit faite avant les autres, là, au point de vue priorisation. Est-ce qu'on y va de cette façon-là cette année ou de quelle façon ça va être fait? Le contrat, nous sommes à la deuxième année d'un contrat de 3 ans. Dans le dernier appel d'offres, effectivement, on débutait simultanément, c'est-à-dire depuis l'année dernière, on commence simultanément avec Rock Forest et Florimont, puis on s'en vient vers le centre. Après ça, on fait Lennoxville et Brampton. Donc, nous sommes à la deuxième année et on revisera la priorité, justement, au terme du contrat. Après 2 ans de pénitence, la ville-centre pourrait-tu commencer en premier l'année prochaine, au prochain contrat? L'été pendant 3 ans, pénitence à Fleurimont, je vous dirais. Je pourrais vous revenir lorsqu'on révisera, mais c'est certain qu'au niveau stratégique, il y aura certainement un nouveau positionnement que l'on va faire par rapport à l'entrepreneur puis au coût que ça engendre, effectivement, selon les stratégies d'opération. Là. Et pour terminer, je pense que l'année passée, on a appris beaucoup de... Puis le promoteur, ou pas le promoteur, aussi l'entrepreneur en lien avec la poussière que ça avait dégagé, tout ça. Et je ferais du kilométrage sur qu'est-ce que la mairesse parlait quand on parlait du nettoyage. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ça serait le fun que l'entreprise privée le fasse de la même façon, soit d'arroser avant puis passer le balai. Il y a une culture maintenant, puis j'ai envoyé une vidéo à Mme la mairesse, la présidente plutôt. Mme la présidente, en fin de semaine, les entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont des équipements à gaz, puis qu'est-ce qu'ils font? Pousse sa poussière chez le voisin sans la ramasser. Tandis que nous,
on passe le balai puis on ramasse la poussière en même temps. Je pense que dans certaines villes, ils ont mis en place des règlements qui font en sorte que les souffleurs à carburant ne sont pas permis durant la période estivale ou à partir du printemps pour éviter ce genre de comportement-là. Puis les gens de la Commission de l'environnement puis de la mobilité sont ici. Et la qualité de l'air, là, puis vous êtes une des premières, Madame la Présidente, à parler des problèmes occasionnés respiratoires par des incendies à ciel ouvert ou à des feux de camp. Là. Oh, j'en ai oublié. Et moi, je plains les gens qui ont des problèmes d'allergie à poussière lorsqu'on arrive à des activités de ce genre commerciales qui sont faites. Merci, mais ça ne fait pas partie des priorités de la commission. De la commission. la cassette est bonne. Let's go. On continue avec Mme Lefebvre. Oui, question poussière. Je peux vous dire que chez nous, on est servi, hein, Madame Godbout. Mais justement, question balayage. On parle de balayage des rues, mais il arrive quoi avec le bord de la rue, c'est-à-dire quand c'est rendu sur le terrain chez les gens? Là, moi, j'ai parti une nouvelle collection dans les deux dernières semaines de photos de galettes d'asphalte qui sont envoyées par la déneigeuse, parce que nos hivers sont tels qu'ils sont, mais c'est vraiment des grosses galettes qui sont envoyées dans les pelouses. Et là, moi, j'ai un certain nombre de personnes âgées qui disent, tu sais, à 60 et des ans, je ne peux pas, 73, 72, etc., je ne peux pas aller ramasser ça. Ils ont quelqu'un pour les enlever. Et là, je ne sais pas combien de personnes m'ont signalé, je ne sais pas si vous avez ça dans vos arrondissements, dans vos districts aussi, que ben, les travailleurs, ceux qui proposent ces services-là, ne veulent même plus y aller parce qu'ils détruisent leurs machines. Donc, on fait quoi dans ces cas-là, étant donné que c'est notre machinerie, la déneigeuse, qui repousse ça dans les terrains? Il se passe quoi? Bien, il y a deux choses. Si c'est réellement du pavage, je pense que vous devez rediriger les citoyens vers le 5858, le 821, pour que nous, on puisse aller récupérer les morceaux de pavage et en recycler, mais, l'envoyer dans un site pour le recyclage. Cependant, si on parle de gravier qui est poussé sur les gazons, malheureusement, à ce moment-là, je ne vois pas la problématique là, que ça peut causer. Non, mais ça pose. Tu sais, ça, ils engagent quelqu'un. Parfait. Avec la machinerie, mais là, quand le gars il dit non parce qu'il y a trop de croûte, là, c'est un problème. Non seulement qu'elle est. Donc la ville va prendre ça en charge. Nous, on va le prendre en charge, effectivement, compte tenu que c'est suite à nos opérations qu'on contamine un peu les terrains des voisins, là, avec nos propres matériaux. C'est ce que je me disais. Ça tient aussi, juste pour apporter une précision, ça tient aussi pour les chaînes, les bordures de route. Tout à fait. Rue. Si le déneigeur arrache une bordure, il faut le signaler au 821-5858 et il a tant de temps pour qu'on finalement avoir sa paye finale, le monsieur, pour faire les réparations. Donc, c'est important que de le signaler pour les bordures de rue aussi. Là. Poursuivez. Est-ce que je peux poser mes questions à Mme Gravel aussi ou on revient mieux qu'on à la fin? Parce okay, qu'on parfait. Est quand même, il nous reste quand même 13 minutes. Donc, remettez-moi dans la ligne. Mme Robichaud. Oui, rapidement. L'année passée, j'ai eu plusieurs commentaires de citoyens qui disaient que l'ordre laveuse, balayeuse n'était pas dans le bon ordre. Fait qu'ils raclaient et les machineries repoussaient la poussière de roche et la roche sur les terrains et les gens devaient refaire l'opération quelquefois. C'est arrivé beaucoup dans le secteur de Deauville. Donc, j'imagine que le fournisseur va avoir été avisé d'aller dans le bon ordre. Puis j'avais appelé, puis il y avait vraiment eu une mésentente là, dans l'horaire quelconque, mais ça ne s'était pas bien passé dans mon secteur. Donc, est-ce que cette année, ça risque d'être correct? Bien, en fait, je vais probablement vous recontacter pour avoir plus de précision, parce que l'élément que vous me faites référence, oui, il y a eu des problèmes de coordination, mais ça serait censé être réglé, mais je vais vous recontacter pour avoir un peu plus de précision dans les secteurs que ça s'est passé, pour revenir dans l'historique, là. Parfait. Puis juste pour revenir avec ce qui a été dit tantôt, là, de qu'on ne pouvait pas mettre d'amas de poussière dans les rues, là, tu sais, de ne pas balayer. Mais je comprends l'amas, un tas, on s'entend comme ça, mais si la gravelle, la poussière s'est toute remanchée sur le terrain des citoyens, ils peuvent balayer et ramener ça d'une belle ligne, mettons? Tout à fait. Sans faire un tas, en oui. Fait, hein? Oui. C'est juste pour être sûr qu'il n'y en ait pas qui ait compris. Bien là, on ne peut pas le mettre dans la rue, non. Puis on ne peut pas le mettre dans le bac, puis on ne peut pas, tu sais. Fait qu'ils peuvent le mettre, mais pas dans un tas. Exactement, mais ce qu'on demande, par contre, si la rue a été nettoyée, ben c'est aux gens de remettre la rue dans l'état qu'elle était. Exact, merci. Madame Godbout, en terminant avec M. Cazaro pour ce sujet-là, on passera à Madame Gravel après. Oui,
En fait, quand on a eu la présentation du bilan là, de l'année passée des travaux, moi, j'avais eu des questions par rapport à votre service là, d'entretien qui fait un entretien minimaliste, là, de les lichettes, là, le terme de Mme Gravel. Dans les rues, il y en avait eu beaucoup dans le secteur Rock Forest. Cette planification-là, est-ce que vous allez pouvoir aussi, parce qu'on a la planification de CIU, mais d'avoir votre planification, est-ce que c'est quelque chose qui sera possible pour cette année? En fait, on peut vous donner certains axes sur lesquels on va travailler, mais par contre, quand on intervient, on en fait souvent un peu plus. Là. Ce qu'on pourra vous faire, c'est cibler les endroits où, effectivement, on va faire du pavage mécanisé. Mais pour ce qui est du pavage manuel, ça va être un peu plus difficile là, de vous donner les secteurs. Mais d'avoir cette idée-là, ce serait bien avec, mettons, le kilométrage puis les coûts là, que ça implique. On pourra vous monter quelque chose en ce sens. À ce sujet-là, Mme Beaudin? Oui, c'est ça. Bien, on avait posé la question, Madame la Présidente et moi, hier à Mme Bourgeois. Là. C'est difficile de... Tu sais, les gens, ils se demandent pas c'est quel service qu'ils vont faire leur rue. Ils se demandent si leur rue va être faite. Puis pour eux, tu sais, pour beaucoup de monde, la couche de pavage superficielle, là, c'est quoi le bon terme là, qui était utilisé? Mais c'est pas un vrai resurfaçage, c'est comme un autre terme. Là. En fait, oui, Madame Lachapelle? Mince couche d'asphalte. Mince couche d'asphalte. Alors que je validais cette information. Pavage palliatif. Parfait. Donc, les travaux... On aime bien pavage palliatif qui a été envoyé tout à l'heure. Je pense que ça reflète bien. Donc, les minces couches d'asphalte, il y a beaucoup de gens qui sont bien heureux d'avoir ça, mais ils ne savent pas que ça va être fait. Les élus ne sont pas tout le temps au courant non plus. Ça ne fait pas partie de la programmation des travaux. C'est sûr que nous, ce qu'on aimerait comme élus, là, c'est que l'information qu'elle nous est présentée, là, à soi par rapport à la rue et non par rapport à quel service ou quelle division de service le fait. Fait que je vous transmets ça pour juste renforcer les propos de ma collègue à dire que toute communication qui va nous aider à avoir l'information sur les travaux de mince couche d'asphalte, ça nous intéresse. Ça nous intéresse aussi par rapport, je sais que pour les pistes cyclables notamment, on va souvent prioriser ça parce que l'enjeu est plus important d'un point de vue de sécurité pour les usagers et usagères. Donc, toute l'information qu'on peut avoir là-dessus nous intéresse. Voilà. Merci, M. Cazaro. Très bien. On poursuit avec Mme Gravel pour la dernière partie, avec M. Bombardier, j'imagine. Oui, tout à fait. Le temps file, je vais vous résumer un petit peu les communications citoyennes, qu'on a appelées communications citoyennes améliorées. Donc, comme vous le savez, par les années passées, on avait des appels téléphoniques automatisés. On revient avec ça cette année. Donc, en début de saison, à partir de demain jusqu'à la fin de la semaine, tous les citoyens chez qui on va intervenir finalement, où on va avoir des travaux, Caroline parlait d'une soixantaine de chantiers, les citoyens concernés vont recevoir un appel téléphonique automatisé d'ici la fin de la semaine pour leur dire « allez voir la carte interactive des travaux, vous allez en savoir plus ». Donc déjà c'est une bonne indication qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Et dans la semaine précédente, le chantier en question, on revient avec un deuxième appel pour revenir à la charge et vraiment aviser les citoyens. Donc, on le faisait par le passé, ce qu'on appelle les appels summum. Donc, on revient avec ça cette année. Les citoyens qui sont concernés par des chantiers, je dirais des chantiers où on vient changer les façons, on vient changer la géométrie de la rue, on rajoute une piste cyclable, on vient leur envoyer une fiche explicative aussi. Madame la mairesse, tantôt... Avec une coupe-type. Avec une coupe-type, exactement. C'est là où je m'en allais. Madame la mairesse demandait tantôt, est-ce que c'est possible d'avoir une coupe-type pour les pistes cyclables? On l'a et c'est disponible dès maintenant sur la carte interactive des travaux. On a mis en ligne dans les dernières minutes tous les chantiers qu'on va faire cette année. Donc, les citoyens peuvent aller dès maintenant sur la carte interactive au sherbrooke.ca/travaux pour voir ce qui s'en vient sur le territoire cette année. La liste que vous avez, la grande liste, le tableau Excel finalement que vous avez, ça se trouve sur la carte interactive présentement.
Sur cette carte-là, on retrouve, entre autres, le moment estimé des travaux. On est allé par saison parce que des fois, on se compromettait un peu plus et c'était difficile de respecter ce qu'on estimait. Donc, cette année, on est plus allé avec des saisons, donc printemps, été ou automne. La durée estimée aussi du chantier se retrouve à cet endroit-là également. Je continue aussi, comme on faisait par le passé, on envoie une lettre explicative aussi aux citoyens quand on refait des chantiers où on a une reconstruction d'infrastructures souterraines. Donc, on envoie cette lettre-là encore. Maintenant, si je passe à ce qu'on va améliorer cette année, ce qu'on a déjà amélioré, ce qui s'en vient, on essaie toujours de bonifier nos façons de faire. Donc, à tout ce que je vous ai nommé, On a amélioré la communication qu'on envoie, la communication directe aux citoyens. Il y avait beaucoup de questions-réponses, les gens se demandaient qu'est-ce qu'on fait avec nos matières résiduelles pendant le chantier, est-ce qu'on va pouvoir encore stationner dans notre entrée de course? C'est des questions auxquelles on répondait, donc on est venu vraiment bonifier cette communication-là aux citoyens. Ce qu'on leur envoie, on le dit maintenant très clairement. Et on a aussi rajouté cette information-là sur le site web, donc au sherbrooke.ca travaux. On a la carte interactive, mais on a aussi vraiment des explications. On fait un gros chantier chez vous. Qu'est-ce qui arrive? Comment ça va fonctionner? Première étape, on va arriver, on va déployer le réseau d'aqueduc temporaire. Donc, pour vraiment venir mieux expliquer ce qu'on fait, ça se retrouve là. Aussi, une autre chose, puis ça, c'est une demande que vous aviez fait ici. La communication directe qu'on envoie aux citoyens, les lettres qu'on leur envoie pour leur dire, bien, on prévoit être sur votre rue à tel moment, on l'envoyait par la poste, ce qu'on continue de faire. Maintenant, on l'ajoute aussi sur notre carte interactive. Donc, la correspondance qu'on envoie aux citoyens, présentement, vous voyez, informations pertinentes. Dans certains cas, présentement, c'est seulement un document PDF, puis là, c'est la fiche des travaux, des fois avec une coupe-type qui se retrouve. Pour certains chantiers, présentement, on va juste bonifier le PDF qu'on voit là, mais dans quelques semaines, vous allez avoir plusieurs documents possiblement. Donc, la correspondance qu'on envoie aux citoyens va se retrouver là. Fait qu'un citoyen, un locataire, exemple, qui n'aurait pas eu la croche-porte, va pouvoir aller voir sur le site web. Même chose pour vous. Des fois, savoir, mais coudonc, c'est quoi qui a été envoyé aux citoyens? Ça se retrouve là. Donc, ça, c'est pour les nouveautés cette année. Ce qui s'en vient aussi sous peu, dans les prochaines semaines, prochains mois, vous avez demandé, entre autres, d'avoir la carte interactive de la priorité de réfection des chaussées, groupe 1 à 4. Ça s'en vient dans les prochaines semaines. On va mettre ça sur une carte interactive. Et autre nouveauté, les chantiers qui sont planifiés dans les prochaines années. Les élus, vous avez une présentation généralement au mois de mai pour voir la programmation triennale. Donc, ces chantiers-là vont se retrouver aussi sur une carte interactive. Donc, les citoyens vont savoir qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années. Non seulement ce qui s'en vient dans l'année en cours, mais aussi tous les projets sur lesquels on travaille, on va mettre ça sur une carte interactive. On va lancer ça dans les prochains mois aussi. Donc, on va être vraiment plus proactif dans nos communications au lieu d'informer les citoyens quelques mois avant. Bien, on va essayer d'être vraiment plusieurs années en amont dans un souci d'amélioration constante. Donc, voilà pour les communications citoyennes. Parfait. Excusez-moi, je vous invite à aller voir le site web. Oui, il est vraiment amélioré. Je vous en ai montré quelques extraits, mais il est vraiment très amélioré par rapport à ce qu'on faisait les autres années. Beau travail là, de l'équipe des COM, David, avec la géomatique aussi, là, de l'équipe du SPGT. Un instant, Mme Gravel. Est-ce qu'il y a des questions concernant la communication? Mais il faut faire vite, parce que là, je vais étirer jusqu'à 1h30, mais je vous avertis, à 1h30, c'est Fifi et Nini, là. Mme Baudin, est-ce que c'était pour la communication? Non. Mme Lefebvre, est-ce que c'était pour la communication? Non. Mme Robichaud, est-ce que c'était pour la communication? Allez-y. Oui, j'ai ouvert un exemple de travaux là, sur votre carte interactive, puis il y a plein de bonnes informations. Puis j'ai découvert que les citoyens pouvaient faire exemple, entrée chartière, mais qu'ils doivent communiquer 10 jours avant. Mais la durée des travaux, c'est plus ou moins 2 semaines cet été. Il n'y a pas de date. Fait comment ils savent que le 10 jours avant, quand il n'y a pas de date de prévu pour les travaux?
ces citoyens-là, comme je disais tantôt, vont recevoir un appel téléphonique automatisé dans les prochains jours pour déjà leur dire, bien, vous avez un chantier qui s'en vient sur votre rue, allez voir la carte interactive. Donc, okay. Du moment beaucoup où d'avance. Ils reçoivent ça, ça va se faire, on va rejoindre à peu près 2000 citoyens là, d'ici la fin de la semaine de cette façon-là. Donc, déjà, ils vont avoir l'indication, en allant voir leur carte interactive, ils ont la note, justement, en ouvrant le chantier, bien, on voit, on leur dit clairement à cet endroit-là et on vient leur rappeler aussi une semaine avant que le chantier, qu'on s'en vient dans leur rue. Donc, encore là, un rappel d'aller voir la carte interactive, mais on a beaucoup d'autres moyens de communication aussi. Audrey va pouvoir vous en parler tantôt pour vraiment inviter les gens à aller voir la carte interactive, générer du trafic sur cette carte-là finalement. Puis d'informer les gens de cette façon-là, pour ce chantier-là en particulier. Mais je dirais que les chantiers de reconstruction d'infrastructures souterraines, on envoie une lettre plusieurs semaines avant de débarquer sur le chantier avec la machinerie. Donc, déjà, ce rappel-là, ils l'ont, puis les citoyens savent que ça s'en vient, puis on a toujours le temps, le 10 jours, on se donne du jeu, mais il y a toujours moyen, je vous dirais, là, on s'organise pour réussir à le faire. Là. Avant ça, on le communiquait pratiquement pas, je dirais. Fait que là, c'est quelque chose de plus qu'on fait, ça, de le communiquer en amont, là, que c'est possible, puis comment le faire. Merci. Merci, M. Charron. Je regardais votre document pour la rue Elmwood, là, c'est vraiment complet. La seule question que j'avais au point de vue communication, c'est que ceux qui ne sont pas informatisés, évidemment, ils vont au bureau d'arrondissement puis ils peuvent demander qu'ils impriment ces documents-là. Non, les fiches explicatives, je suis allé un peu vite tantôt, mais les fiches explicatives, comme la fiche pour Elmwood, ça a été envoyé aux citoyens, ça a été distribué par la poste, puis les chantiers, présentement, on a à peu près cette année, Elmwood, c'est un chantier de l'année passée qu'on a reporté à cette année, donc la fiche, ça a été envoyé l'année passée. Mais cette année, dans les nouveaux chantiers, on a une vingtaine de projets où on a des changements dans la géométrie de la rue, entre autres, où là, on a fait des fiches, puis ces fiches-là vont être envoyées par la poste d'ici la fin avril aux citoyens concernés, et elles se retrouvent aussi directement déjà sur le site web. D'accord, merci. Merci, Mme Boileau. Deux petites choses. J'aimerais juste que, pour le bénéfice du public, que vous disiez que quand vous planifiez des travaux, que les services d'urgence, c'est prévu qu'ils puissent passer, même si une rue est bloquée, juste le dire, parce qu'il y a des citoyens qui pensent que vous ne pensez pas à ça. Puis, deuxième question, M. Guillaume Lirette-Gerlina voulait vous demander si c'est possible d'envoyer les communications bilingues à Lennoxville, parce qu'il y a eu un enjeu là-dessus. Là. C'est ce qui est fait à Lennoxville, sauf erreur. Il y a peut-être eu des petits oublis. En tout cas, l'an passé, il y a eu des oublis peut-être. Là, mais... OK, mais en tout cas, à ma connaissance, dans les dernières communications, ça a toujours été dans les deux langues. Parfait, merci, Mme Lousse. Je suis vraiment contente de voir ça parce qu'en effet, je pense que ça a un impact immense là, pour la vie des gens, là, d'avoir les informations d'avance. Et même, est-ce que c'est prévu justement parce qu'il y a des imprévus? Des fois, ben, les travaux, ils sont prévus, mais il y a des problèmes qui font en sorte que finalement, ils ne vont pas être réalisés comme on a eu l'année passée. Ils avaient reçu l'information que les travaux allaient se faire, les gens... Par exemple, pour la piste cyclable de Macré, Mi-Vallon, le trottoir de Chardonnay, et c'était Chardonnay et Marcel Marcotte. Puis, quand finalement on a porté ça pour cette année, là, ils n'avaient pas reçu l'information à ce moment-là. Fait que s'il y a des imprévus, qu'est-ce qui est prévu pour... Dans ces cas-là, l'année passée, ce qu'on avait fait, justement, après vous avoir rencontré en décembre, si ma mémoire est bonne, on avait envoyé un appel téléphonique automatisé à tous ces citoyens-là pour leur dire bien, le chantier qu'on avait prévu cette année va être reporté à 2023. Donc ça avait été fait. Et dans nos communications, quand on envoie de la communication directe aux citoyens, on les incite à s'abonner à monsherbrooke.ca. Donc ça nous permet de leur envoyer des alertes plus personnalisées parce que c'est un petit peu difficile... C'est toujours un défi. On essaie dans un premier temps de leur envoyer de la communication directe, des fois par la poste, mais de revenir chaque fois avec quand il y a un changement, des délais qui s'ajoutent, ça devient vraiment laborieux de faire de la communication écrite
par la poste tout le temps. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les gens, on répète le message, mais abonnez-vous à moncherbourg.ca. Puis plus ça va aller, plus on va être capable d'envoyer des alertes pour justement expliquer, bon, il y a eu un petit changement, voici, le chemin de détour a changé, exemple, je donne n'importe quel exemple, mais le but, c'est vraiment d'être le plus proactif possible puis de s'améliorer d'année en année. On ne pourra pas tout faire, mais on essaie de toujours bonifier nos façons de faire. C'est parfait. Je voulais juste confirmer si j'ai bien compris. Alors, dans le cas où, admettons, il y a des projets qui sont prévus pour l'automne, puis que là, finalement, on va être obligé de reporter à l'année suivante, il ne va pas avoir nécessairement une communication. Il faut que la personne soit abonnée pour qu'elle soit informée, ou les appels automatisés vont être envoyés pareil pour dire que ça avait été reporté? Bien, dans un cas comme ça, parce qu'on s'entend que c'est quand même des cas exceptionnels, il y a toujours quelques chantiers par année qui sont reportés. Mais dans un cas comme ça, où il y a vraiment un report, bien là, un appel téléphonique automatisé, je pense que c'est la façon de faire. Quand c'est seulement que le chantier est prolongé, bien là, sur la carte interactive, on change la date et on dit toujours aux citoyens, allez voir la carte interactive pour savoir s'il y a eu une évolution dans le projet ou dans l'échéancier, entre autres. Donc, c'est la façon de faire. C'est parfait. Et je ne peux pas profiter pour poser une question non, sur une parce qu'on n'a plus de temps. D'accord. Madame Dauphiné, dernière question en sujet. Oui, très brièvement. Donc, dans l'ensemble, c'est très bien. J'avais juste un petit bémol quand vous avez dit on va faire une carte interactive avec les rues pour les 3 prochaines années. Parce que si je regarde l'an dernier, quand on est arrivé en poste, on s'est fait présenter la planification, puis là, on a coupé le budget de moitié. Là, fait qu'il ne faudrait pas créer des attentes chez les citoyens, puis après ça, on recule. En tout cas, c'était une passion que j'avais. Merci. Oui. Si je peux me permettre, en fait, la carte, ce qui va être présenté, c'est voici les chantiers sur lesquels on travaille pour les prochaines années, sans nécessairement donner d'échéancier, mais puis c'est en fonction des budgets alloués, entre autres, des subventions. Donc ça va être vraiment précisé, mais justement, on ne veut pas créer de faux espoirs et trop s'avancer parce que, vous savez, comme nous, ça bouge très vite, mais c'est vraiment pour donner un aperçu de ce qui s'en vient dans les prochaines années. Parfait, merci Madame Gravel. On poursuit, il vous reste 8 minutes. Question incluse. Je fais ça vite. Alors, on va être rendu à la campagne, justement, des Joues les chantiers. Je vais laisser Audrey faire la présentation du travail qui a été fait. Bonjour. Donc, c'est ça, moi, je vais vous présenter la campagne des Joues les chantiers. Alors, ce qu'on veut, c'est vraiment sensibiliser la population à penser autrement sa mobilité tout au long de la saison des chantiers. On a développé des messages clés pour donner des options à la population parce qu'on est conscient que les réalités sont différentes pour les personnes selon l'endroit où ils résident dans la ville. Donc, on a plusieurs messages qu'on veut diffuser, comme prendre l'autoroute pour traverser la ville d'est en ouest, faire du covoiturage, enfourcher son vélo, planifier son itinéraire avant de partir de la maison ou encore sur une application GPS, prendre le transport en commun. Donc, c'est plusieurs options qu'on offre à la population. Puis, on reprend notre identité de l'année dernière pour avoir une communication durable à laquelle on a ajouté des icônes pour représenter nos différents messages clés. Ce qu'on va faire, on va faire de la pub radio, on va aussi avoir des bandes-annonces au début, des films au cinéma, de l'affichage sur les autobus, sur les colonnes Maurice, de la publicité numérique, des envois postaux. Bien entendu, on va utiliser les médias sociaux et notre site web pour diffuser de l'information. Puis les relations publiques et le SCU vont être en collaboration tout au long de la saison des chantiers pour offrir des communications efficaces et durables et fréquentes, pardon, tout au long de la saison. Je vous montre des exemples de publicité là, qui vont être sur notre territoire cette année. Donc, il y a plusieurs déclinaisons, comme je vous expliquais, qui vont être faites. Donc, on a les panneaux d'autobus ici, les colonnes Maurice. Selon les emplacements, on va changer également les messages. Puis ensuite, publicité numérique qui va être faite aussi. Nos fiches info-travaux qu'on envoie par la poste, comme on vous a présenté tantôt.
Alors, ça, c'est vraiment la campagne globale, mais il y a des actions spécifiques aussi qui vont être faites là, pour les diverses entraves majeures tout au long de la saison. Puis, pour avertir la population, ce qu'on va faire, c'est des stories, des alertes info-travaux. Donc, on vous invite pour clore ça. On vous invite à partager les stories qu'on va faire et également inviter la population à s'abonner aux alertes à moncherbrooke.ca qui éventuellement va devenir également le portail. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Dernière chose, pour tous les citoyens qui ont des enjeux pendant un chantier, le numéro clé à retenir, c'est le 821-5858 ou de faire une requête sur le site web de la Ville. Sachez que dès que ça touche les travaux du SIU, c'est David qui quotidiennement prend toutes les requêtes entrées et qui en fait le suivi, s'assure de faire le suivi avec les équipes qui sont sur le terrain. Donc, c'est ça aussi une nouveauté qu'on a cette année. On a aussi une adresse courriel qui s'appelle travaux@commercialsherbrooke.ca. Les gens peuvent envoyer un courriel aussi, puis c'est David aussi qui répond aux questionnements des citoyens. J'invite aussi les citoyens, là, on a passé vite, là, mais sur le site web de la Ville, il y a vraiment de l'information sur qu'est-ce que je fais avec mon bac de poubelle. C'est toujours une question récurrente qui revient à chaque année. Je sais que vous, en tant qu'élu, vous avez souvent cette question-là aussi. Donc, on a adressé toutes les questions qu'on reçoit régulièrement pour justement vous décharger de cette réponse-là. Alors, je vous recommande de référer vos citoyens au site web, là, à la zone que je vous montrais tantôt, là, qui est vraiment partout, là, qui explique vraiment tout le chantier dans son détail, avant le chantier, pendant le chantier, après le chantier, et ainsi de suite. Si j'avais deux questions pour terminer à 18h30. Donc, Mme Baudin et en conclusion, Mme Lefebvre, et c'est terminé après. Merci beaucoup pour cette présentation. Beaucoup, beaucoup d'informations dans tout ça. Tout d'abord, le boulevard industriel de la rue, ben en fait, pratiquement la traverse là, qui passe au-dessus de l'autoroute. Non, je suis sur l'autre. Portland. Non. OK, la 220, on a ajouté une passerelle cyclable, OK? De là jusqu'à la rue de la Garlock. Bon. Il manque un bout où c'est pas agréable ni pour les piétons ni pour les cyclistes entre la passerelle cyclable et le rond-point René-Lévesque. Après ça, on a un petit bout de piste cyclable. Après ça, on n'a rien du tout, puis je vois très régulièrement des piétons marcher là, c'est extrêmement dangereux, entre la rue Barton et la rue Léger. Même chose pour un lien cyclable, protection des piétons et des gens qui prennent l'autobus entre la rue Léger et le boulevard Portland. Puis là, je pense, as-tu été fait là, le trottoir? OK, le dernier bout, il est fait. Mais donc, de Portland jusqu'à la passerelle cyclable, il y a juste un mini-bout qui a été fait, qui a été urbanisé. Qu'est-ce qui est prévu pour ça? C'est ma première question. Donc, parce que je suis retournée voir dans mes notes à l'époque où j'étais conseillère municipale, puis on m'avait dit que c'était prévu l'urbanisation de Barton jusqu'à Léger en 2023. Donc, ça, c'est ma première question. Dans votre présentation, au départ, vous parlez des travaux qui ne sont pas des travaux de rue, puis là, vous nommez toutes sortes de choses. Ce serait vraiment intéressant d'avoir des suivis aussi sur ça. Fait que je ne sais pas à quel moment vous allez pouvoir nous faire des suivis là-dessus, mais ça nous intéresse. Le boulevard Mi-Vallon, l'ouverture du boulevard Mi-Vallon, ça n'a pas été mentionné, mais en tout cas, c'est plus tard, hein? Cet automne, c'est comme pas... En fait, si tout va bien, là, on pense être capable de commencer les travaux cet automne. OK, parfait. Puis, là, on parle beaucoup, beaucoup de communication par rapport aux entraves automobiles. Moi, j'ai vécu des fois des entraves de pistes cyclables que je n'avais pas du tout anticipées là, sur l'axe de la Magog dans le passé. Est-ce que les communications autour des... Est-ce qu'on risque d'avoir des entraves sur les pistes cyclables cet été? C'est ça mes questions.
Alors, première question, la route 220 entre la passerelle cyclable qui a été faite par le ministère des Transports et le carrefour giratoire, c'est un projet commun avec le ministère des Transports. Souvenez-vous qu'on a une résolution entérinée par la ville, évidemment par vous, là, qui nous donne, qui demande la maîtrise d'œuvre de ce projet-là, parce que c'est un projet qui va être essentiellement d'urbanisation, justement pour pouvoir y insérer des pistes cyclables, des trottoirs. Donc, ça, c'est prévu. Compte tenu de l'arrivée de Darche et que Darche se termine en 2025, bon, c'est dit que ce ne serait pas une bonne idée d'aller travailler sur la route 220 en même temps que Darche. Donc, on prévoit faire des travaux en 2025 ou 2026 pour ce secteur-là. Maintenant, ça ne nous empêche pas, entre-temps, de rencontrer les commerçants, de faire toutes les démarches qui viennent en amont. Il faut signer le protocole d'entente avec le ministère des Transports et la mobilité durable aussi. Donc, on va travailler quand même en attendant, mais les travaux physiques sur le terrain vont être plus en 2025-2026 pour ce tronçon-là. Pour Barton à Léger, par contre, c'était prévu en 2023. Pour Barton à Léger, ça a été mis de côté pour une question de budget et évidemment, il faudra en parler lors de la planification des priorisations là, des liens cyclables. Je peux quand même valider pour le trottoir, par contre. Là, je n'ai entendu parler, mais je vais vous revenir pour le trottoir. Moi, j'essaierai de faire financer ça par le TAPU. Ce tronçon-là, là, oui. Ça fait partie de ce qu'on aurait probablement pu faire financer. C'est tout? Pour les autres questions. Que je réponds, oui, mais là, on n'a plus de temps. OK, vas-y, oui. Allez-y. Ouais. Pour les entraves, pour les pistes cyclables, effectivement, par les années passées, des fois, les cyclistes étaient moins pris en compte que les automobilistes. Je dirais qu'on sollicite grandement on sensibilise grandement les équipes à l'importance de penser non seulement aux automobilistes, mais aussi aux piétons et aux cyclistes. Donc, on essaie de faire des efforts de communication, justement, pour... autant à l'interne qu'à l'externe, pour vraiment penser à tous les usagers de la route quand on fait des travaux. Et donc, oui, c'est pris en compte. Merci. Madame Lefebvre, rapidement, vous avez compris? Oui, oui, j'ai compris. Donc, je vais juste poser mes questions, puis vous m'enverrez les réponses. D'accord? Je regardais dans la liste, puis j'ai eu l'information que finalement la rue Paillard ne sera pas faite cette année. Je ne sais toujours pas pourquoi. Donc, j'aimerais ça comprendre, parce qu'il me semble que ça rentrait dans le TEC 4. Donc, je voudrais avoir cette explication-là. Et aussi, dans la présentation, là, vous mentionnez certaines choses qui ne sont pas incluses dans les choses. Et vous parlez de la station de Saint-Élie. La dernière fois qu'on s'est parlé, je pensais que ça ne se faisait pas. Donc, finalement, ça se fait, ça ne se fait pas? Pas cette année, non. OK, donc c'est exclu parce que ce n'est pas cette année. OK, c'est pas parce que c'est hors du budget, c'est... Non. OK, d'accord. Merci. Merci beaucoup, merci à vous. Un gros segment de plaignier public pour aujourd'hui, mais vous avez quand même très bien répondu. Merci tout le monde. Nous, on se quitte pour la pause et on vous revient à 19h pour le conseil municipal de ce soir. Merci.